c'est l'histoire de la vie. Le cycle éternel d'un enfant béni. Qui est dans la joie, dans la foi, qui croit que Dieu a fait quelque chose pour lui? Attends-le. Tu vas fermer les yeux et tu vas dire à Dieu, Seigneur, fais quelque chose pour moi. Touche-moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de la guérison. J'ai besoin de la restauration. Dis-lui, Seigneur, agis. Manifeste-toi. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Seigneur, nous voulons t'élever, nous voulons te glorifier en ce jour. Toi qui es Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour la puissance de ton esprit. Parce que tu es là encore pour faire du bien. Tu es là pour restaurer, tu es là pour guérir les malades. Tu es là pour libérer les captifs. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te bénisse. Là, j'ai un peu de problème avec le Saint-Esprit. Parce qu'il est en train de changer mon message. Alléluia. Amen. Il est en train de changer mon message. Amen. Amen. Parce que je vois dans cette salle des personnes qui ont besoin de délivrance et de guérison. Amen. 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 Donc Dieu connaît le besoin de chacun. Alléluia. Et Dieu vient apporter à chacun son besoin. Donc les besoins diffèrent. On n'a pas tous les mêmes besoins. Amen. Le malade a besoin de la guérison. N'est-ce pas? Celui qui est sous l'emprise d'un esprit a besoin de délivrance. N'est-ce pas? Amen. Celui qui a besoin d'une capacité surnaturelle pour accomplir son ministère a besoin de l'onction. Amen. A besoin de la puissance de Dieu. Amen. Donc, l'Esprit de Dieu connaît le besoin de chacun. C'est pourquoi la Bible appelle El Oyenu, l'Éternel notre Dieu, le Créateur. Amen. Amen. C'est pourquoi je dis que le Saint-Esprit est en train de changer mon message. Vous comprenez? Mais je sais une chose, c'est que quand tu suis le Seigneur dans ce qu'il fait, il y a toujours un résultat. Amen. Amen. Aujourd'hui, je veux dire à tout le monde que Jésus est la solution. Dis avec moi, Jésus est la solution. Jésus est la solution. Jésus est la solution. Jésus est la solution. Alléluia. Amen. Je vous dis que Dieu a changé mon message parce que je sens que je dois libérer l'onction. Quelle que soit la maladie, tu seras guéri. Amen. Amen. Je n'ai pas dit demain. Je dis aujourd'hui même. Amen. Si
Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur. Pourquoi je te dis maintenant? Parce que c'est maintenant. Tu as besoin de la santé, la libération, la restauration. C'est pas demain. Alléluia. Il y a urgence. Donc quand il y a urgence, ça veut dire que quelqu'un est en train de mourir. On doit faire quelque chose. Amen. Donc je veux que vous receviez l'onction. Amen. Je veux que vous receviez la puissance de l'Esprit. Amen. Amen. Parce que Dieu n'est pas bavard, Dieu est pratique. Amen. Pourquoi il est pratique? Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Donc, le nom de Jésus en toi est la vie, est la force, est la grâce. J'ai fermé ma Bible. Hein. On dit que je ne veux plus prêcher ce que j'avais prévu prêcher. Alléluia. Amen. Parce qu'il ne s'agira pas de t'amener quelque part, mais je veux t'amener où Dieu veut que tu sois. Amen. Aujourd'hui, vous allez voir que les chrétiens, les hommes, les personnes ont beaucoup entendu des messages. Amen. Amen. Et les messages que vous avez entendus sont des très bons messages. Mais le problème, c'est que peu sont ceux qui sont entrés dans l'accomplissement de ces messages. Alléluia. Amen. Je vois Canaan. Et puis je suis entré à Canaan, ça fait deux choses. Amen. Hein? Amen, amen. Je suis malade. Et je suis guéri, ça fait deux choses. Est-ce que vous comprenez? Dieu m'a appelé, ça c'est une chose. Maintenant, ce n'est pas parce que Dieu m'a appelé que je vais entrer dans ma destinée. Dieu m'a appelé, mais il y a un caractère, il y a une action, il y a quelque chose qui manque de moi. Il y a un geste, il y a une action que je dois accomplir afin de voir la main de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc tu peux voir le royaume de loin, mais tu peux ne pas entrer. On peut te dire que tu seras roi. Mais ce n'est pas parce que on t'a dit que tu seras roi que tu es déjà sur le trône. Si vous comprenez. Amen, amen. 12 ans, temps, des gens disent, j'ai entendu que je serai roi. J'ai vu le trône, mais je ne suis pas encore roi. Alléluia. Amen. Pourquoi? Tu peux entendre que tu seras roi, mais aller sur le trône, il ne s'agit pas d'une autre personne, mais il s'agit de toi. C'est une décision que tu prends. C'est une résolution que tu prends. Donc, accepter Jésus, c'est pour toi-même. Pourquoi? Parce que tu as besoin de lui pour pouvoir marcher, pour voir, pour entendre, pour réussir. En dehors de lui, il n'y a pas de réussite. Dis amen. Vous comprenez? Donc nous sommes rassemblés ici en ce jour, pourquoi? Pour Jésus. N'est-ce pas? Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est vivant. Parce que c'est lui seul qui peut faire quelque chose dans ma vie. J'ai cherché ses coups ailleurs, je ne l'ai pas trouvé. Mais c'est lui seul
qui peut me consoler. Non seulement me consoler, mais me restituer ce que j'avais perdu. Est-ce que vous comprenez? Je suis en train de parler à des gens dans la salle parce qu'il y a plusieurs personnes ici qui ont besoin de réellement s'accrocher à Jésus, d'avoir une communion avec lui, et de prendre au sérieux leur vie, et de chercher à connaître qui est Jésus de Nazareth. Dis avec moi, je veux le connaître. Je veux le connaître. Je veux le connaître. Pourquoi? Parce qu'il est réel. Il est le chemin, la vérité et la vie. Dieu veut parler à ton cœur. Dieu veut parler à un homme. Dieu veut parler à une femme. Dieu veut parler à son enfant. Dieu veut te dire qu'en lui, tu as tout. C'est le seul qui est capable de purifier quelqu'un. C'est le seul qui est capable de pardonner les péchés. C'est le seul qui est capable de t'instruire et de te faire non seulement expérimenter les promesses du royaume sur cette terre, mais atteindre ton but. Dis amen. Amen. Dis avec moi Jésus. 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 Donc c'est au nom de Jésus que je parle. Comprenez? C'est au nom de Jésus que je prêche. Et c'est le nom de Jésus qui fait des miracles. C'est le nom de Jésus qui libère les captifs. C'est le nom de Jésus qui apporte la paix, la guérison. C'est le nom de Jésus que je représente ici. Donc c'est Jésus qui fait de moi un prophète. C'est lui qui fait de toi un chrétien. C'est lui qui fait de l'autre un pasteur, un prophète, un apôtre. C'est lui qui fait de l'autre une sainte. C'est Jésus que nous servons. Amen. Donc vous allez voir que je vais vous parler ici, je vais vous donner des grands messages, des grands messages, des grands messages parce qu'il y en a. Ou des grands messages que vous avez entendus, il y en a. Mais vous devez savoir une chose, c'est que Jésus-Christ de Nazareth est celui qui donne son esprit à ses enfants et qui permet que toutes ces personnes-là le servent, mais dans une vision, dans une parole, dans l'évangile. Dis amen. Amen. Ouais, le Saint-Esprit est en train de me conduire dans cette dimension-là, parce que il y a beaucoup de personnes ici qui doivent prendre des décisions aujourd'hui. De marcher avec lui. De changer de vie. Est-ce que vous comprenez? Donc, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, quand on dit la mort ne viendra pas brusquement comme elle peut venir brusquement. Mais l'annonce de la mort peut démarrer par une maladie. Par un problème, par un lien, par une difficulté, par des difficultés. Et au fur et à mesure, la chose prend de l'ampleur. Et s'il n'y a pas quelqu'un pour nous sauver, nous mourrons. Amen. Amen. Maintenant, demande à celui qui est à côté de toi, si tu meurs, tu vas où? C'est la question que chacun doit se poser. Que tu sois président, que tu sois star, que tu sois bishop, archibishop, prophète des planètes, des galaxies, des quoi, un jour tu vas mourir. Alléluia. Et quand tu vas mourir, il y a une autre vie. Pour une seule question de mettre la personne dans un endroit qu'on appelle enfer ou paradis. Je sais que vous n'aimez pas l'enfer. Ne désirez même pas l'enfer. Parce que son nom même enfer fait peur.
Il y a quand quelqu'un te dit je vis de l'enfer sur la terre, quand il te raconte ses problèmes, tu vois déjà que c'est compliqué. Amen. Mais l'enfer qui se trouve au-delà de la vie naturelle que nous vivons, je veux parler du jugement, est très dangereux et c'est pour toujours, à perpétuité. Amen. Et le ciel est un domaine réservé à chacun selon ses œuvres. Donc pour aller au ciel, il y a une garantie, il y a un passeport. Et ce passeport-là, cette garantie, c'est le nom de Jésus. Donc c'est le nom de Jésus qui te sauvera de tout jugement. C'est le nom de Jésus qui t'éloignera de l'enfer. Et c'est le nom de Jésus qui fera de toi que tu auras une vie, non seulement stable sur cette terre, mais une vie au ciel encore meilleure que cette vie que nous vivons. Et tu vas apprécier. Au ciel, il y a plusieurs endroits. Les endroits ne se ressemblent pas. Amen. Chacun habite, est dans son domaine par rapport à ses œuvres. Alléluia. Donc je crois que tout homme vit par décret divin. Tout homme vit parce que Dieu l'a créé pour un résultat, parce que Dieu est objectif. Donc, tu n'es pas malade sur la terre, mais tu es là pour accomplir les œuvres de Dieu. Donc, ça veut dire que un homme sur cette terre, une femme sur cette terre qui n'a pas de projet, c'est un homme mort. C'est une femme morte. Il n'a pas de projet. Vous comprenez? Il n'a pas de vision. Il n'a pas de programme. Il vit dans le désordre. Le temps est arrivé où nous devons donner notre vie à Jésus, nous devons marcher avec Jésus, nous devons comprendre sa parole, nous devons entrer en eau profonde avec lui et chercher à savoir qu'est-ce qu'il veut pour nous, qu'est-ce qu'il demande de nous et ce que nous avons à faire pour lui. Dis amen. Amen. Alléluia. C'est un Dieu qui est vivant, qui se manifeste. C'est un Dieu qui agit. Mais il attend quelque chose de toi. Ta décision. Ta décision. Est-ce que tu comprends? La décision ne viendra pas de ton père ni de ta mère. La décision ne viendra pas de ta femme ni de ton mari. Mais la décision viendra par une personne, la personne concernée. Je veux parler de toi. Alléluia. Parce que je crois que tu as une conscience. Et quelqu'un qui a une conscience, en dehors des autres, il arrive un moment où il est seul et il examine sa situation et pour finir, il verra la chose devant lui et il dira, je dois faire quelque chose. Je dois changer de vie. Je dois abandonner l'adultère. Je dois abandonner la fornication. Je dois laisser tomber la débauche. Je dois laisser le péché. Je dois me conformer à la parole de Dieu. Je dois marcher d'une manière respectable. Je dois laisser Dieu me conduire. Je dois laisser Dieu agir en moi. Je dois laisser Dieu se manifester en moi. Je dois laisser Dieu prendre le contrôle de mon âme. Je dois laisser Dieu me libérer. Je dois laisser Dieu me décharger. Je dois laisser Dieu me faire sortir de cette malédiction familiale. Je dois laisser Dieu me donner une vision. Tu dois laisser Dieu maintenant entrer dans ma maison. Tu dois laisser Dieu entrer dans mon entreprise. Tu dois laisser Dieu entrer dans mon pays. Tu dois laisser Dieu entrer dans tout ce que je fais. Tu dois mettre Dieu en premier.
Amen. Parce que Dieu lui-même atteste par son Esprit Saint qui te convainc que c'est la vérité. Tu as cherché secours ailleurs, tu n'as pas trouvé. Et pendant qu'on parle, tu es en train de chercher secours. Pourquoi? Parce que je suis bloqué. Je suis enfermé. Je suis malade. J'ai des soucis. J'ai des problèmes. Les choses ne vont pas comme je désire. Les choses ne se passent pas comme j'avais prévu. L'âge est en train d'avancer. L'enfant tarde à venir. Mon programme est en train de s'écrouler. Et je n'ai plus d'espoir. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur repose sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. À toi qui m'écoutes, à toi qui m'entends. Pour te dire que ce que tu attends est possible. Pour te dire que l'espérance est là à côté de toi. Pour te dire que la vie n'est pas finie. Pour te dire que tu peux encore recevoir la guérison. Pour te dire que ce que tu cherches existe encore sur cette terre. Et ce que tu cherches a été déjà trouvé. Et ce que tu cherches s'appelle Jésus. Amen. Alléluia. Amen. 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 Dis avec moi, Jésus vient prendre le contrôle dans ma vie. Jésus vient prendre le contrôle dans ma vie. J'ai l'habitude de faire des programmes dans plusieurs pays. En 2010, j'étais au Danemark où j'étais invité dans une ville appelée Moum. Amen. Donc j'ai parlé un peu au pasteur au téléphone avant de partir, mais quand je suis arrivé à Copenhague, dans la capitale, j'ai cru que c'était là-bas que le programme allait se passer. Et on m'a dit que le programme se passe dans une autre ville, et que la ville s'appelle Moon. Donc, j'étais dans la voiture et nous avons fait 2 heures de route. Amen. Mais pendant que nous étions en route, en chemin, j'observais un peu l'environnement, je regardais un peu tout ce qui était autour de nous, jusqu'à ce que nous arrivions dans la ville. Mais j'ai vu une ville très morte. Alléluia. Je vous dis la vérité, c'est une ville quand tu arrives, quand tu regardes les maisons, c'est de belles maisons. Quand tu regardes les restaurants, il y a de beaux restaurants. C'est très joli, tout est beau. Mais dans mon esprit, je vois une ville morte. Alléluia. Frère, tu peux voir une personne qui est bien habillée, en cravate, costume, bien beau. Tu peux voir une personne qui est dans une Ferrari, dans une belle voiture. Tu peux même voir une personne qui est dans un guet privé. Tu peux même voir un président, rencontrer un homme d'affaires. Tu peux même voir apparemment une personne qui a un château. Tu peux même visiter son château. Mais la personne spirituellement est morte. Et sa vie n'a pas de sens. Je suis en train de te dire quelque chose. J'ai vu des grands, j'ai rencontré des personnalités. J'ai même prié pour un entrepreneur qui avait de l'argent. Sa femme appelait prophète. Mon mari se meurt, vient. J'arrive. Je regarde l'homme dans mon cœur. J'ai pitié de l'homme. Je regarde la maison de l'homme. Tout est joli. En tout cas, tout ce que tu désires se trouve dans cette maison. Tout ce que tu veux se trouve dans cette maison. Il est riche. C'est très très beau. Mais je vois un homme qui est couché, qui est en train de mourir. Un homme qui gémit. Un homme qui est incapable de dire à la richesse, viens à mon secours. Qui est capable de dire à mes entreprises, viens à mon secours. Qui est capable de dire à ses comptes bancaires, venez à mon secours. Mais l'homme est en train de mourir, est en train de partir. Sa femme du prophète fait quelque chose.
Alléluia. Je regarde l'homme, j'ai compassion. Et je comprends une chose. C'est que tous ces biens n'ont pas pu faire quelque chose pour lui là où il était. Et écoutez-moi bien, quand on invite un prophète, quand on fait appel à un prophète, ça veut dire que les médecins ont échoué. Il n'y a plus de solution. Alléluia. Et je veux prier pour l'homme. Le Saint-Esprit me dit, il est l'heure pour lui. Il va mourir. Il va? Ah oui, 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 oui. C'est pourquoi on ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Même nous-mêmes, qui sommes des hommes de Dieu, qui avions l'onction. J'ai vu des aveugles voir, les sourds entendre, les paralytiques marcher à la minute. J'ai vu des morts ressusciter à la minute. Ça, c'est quelque chose que je vis tous les jours. Vous comprenez? Mais je comprends une chose, c'est que je n'ai pas la capacité d'exercer le pouvoir qui est à moi. Mais je sais qu'il y a quelqu'un, quand il veut l'exercer, il exerce ce pouvoir-là. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'utilise. Malgré la pitié que j'avais pour l'homme, j'étais incapable. Alléluia. J'ai dit à sa femme, nous allons prier. Mais avant de prier, nous allons voir s'il peut parler un peu pour qu'il puisse accepter Jésus. Parce que Dieu a dit, c'est fini, il va partir. Amen. Je dis, monsieur, il ne peut pas parler. Il ne me voit même pas. Il n'entend même pas. Vous comprenez? J'ai fait des efforts. Monsieur, monsieur, il ne peut rien faire. J'ai dit à sa femme, que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie. Vraiment là, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Je ne suis pas Dieu, je suis un homme. Que la volonté de Dieu soit faite. Alléluia! Je suis en train de te dire, toi qui es en train de courir derrière la chose là. Amen. Derrière le monsieur là, derrière la femme là, derrière l'argent là. Ton problème c'est le matériel, ton problème c'est comment je vais faire pour acheter une maison, je vais acheter une voiture, comment je vais faire pour qu'on me voit, on parle de moi. Je suis en train de te dire, il y a une chose qui est plus important que toutes ces choses-là, et qui est au-dessus de toutes ces choses-là, c'est Jésus de Nazareth dans ta vie. Quand tu as Jésus, tu as tout. Quand tu as Jésus, tu as le salut. Cet homme-là, malgré ses entreprises, malgré son château, malgré la décoration qui était dans sa maison, il gémissait et il est mort. Imaginez son sort, il ira où? Amen. Donc je vois une ville morte, moune. Je demande à l'esprit, je dis, mais Seigneur, pourquoi cette ville du Danemark, Moon, elle est tellement belle, mais pourquoi tu me montres la mort? Le Saint-Esprit me dit, mais c'est à cause de cela que je t'ai envoyé ici. Parce que les gens doivent me connaître. Est-ce que vous comprenez? Et le même soir, le pasteur vient me chercher. Et imaginez, ce qui est grave dans cette église, c'est que ils adoraient Jésus, mais ils ne connaissaient pas Jésus. Alléluia. Parce que la foi n'est pas un titre qu'on porte, mais c'est quelque chose qui se démontre. C'est pourquoi la Bible dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. Il ne s'agit pas de dire je suis chrétien. Il ne s'agit pas de dire j'ai Jésus dans ma vie. Il ne s'agit pas de dire dimanche je vais à l'église. Ce n'est pas la tradition, ce n'est pas la coutume. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu viens dans l'église et en dehors de l'église, qu'est-ce qui se passe ta vie de tous les jours au travail, avec tes amis, tes collègues, ta femme, autour de toi? Quelle est ta vie? Est-ce que ce Jésus-là, tu le nommes, tu le respectes? Est-ce que tu marches selon cette parole? Amen. Et ce jour, j'ai prêché. J'ai prêché, j'ai annoncé l'évangile, j'ai parlé de Jésus. Amen. Et ils m'ont dit que
messages, etc. Le nom de Jésus. Mais nous venons maintenant de comprendre qui est Jésus. Moi qui suis pasteur, c'est le pasteur de l'église qui me dit. Il dit, je n'avais pas compris le sens de Jésus à ce point-là. Parce que le Saint-Esprit n'était pas en mouvement dans cette église. Et ce jour, il y a eu des guérisons, il y a eu des démonstrations, les paralytiques ont marché, les aveugles ont vu, les fous ont entendu. Et les gens étaient étonnés. Ils ont dit, on ne savait pas que Jésus, non seulement nous parlait, nous dirigeait, nous orientait, mais on vient de découvrir qu'il est capable même de faire des miracles, de grandes choses au-delà de nos pensées. Il est capable de faire sortir un mort de la tombe. Il est capable de restaurer, de reconstituer les membres d'une personne. Et cette église a été spirituellement visitée. Et aujourd'hui où je vous parle, après mon passage là-bas, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été sauvées et ils ont connu ce qu'on appelle Jésus et le Saint-Esprit, la manifestation de la puissance de Dieu. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, Jésus prenait son temps pour enseigner ses disciples, ces personnes de la ville de Moun, au Danemark. Ils n'ont pas compris une chose, c'est que Christ n'est pas une religion. Christ n'est pas une tradition. Mais Christ est une vie. Une vie de tous les jours. Quand il vient en toi, la manière, ta manière de voir change. Ta manière de penser change. Ta manière d'entendre change. Ta manière de te comporter change. Ta mentalité change. Tout change en toi. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en toi. Tu aspires au son de Dieu. Tu as envie de venir à l'église. Tu as envie de comprendre la Bible. Tu veux mettre la parole de Dieu en pratique. Ce n'est plus une obligation. Ce n'est plus quelque chose qui est comme un combat pour toi. Mais ça devient facile parce que le Créateur de toutes choses a mis un point de contact en l'homme de sorte que l'homme aura toujours besoin de lui. Alléluia. Et je leur ai dit, le premier miracle, amen, que Dieu fait dans la vie d'un homme, c'est le changement de mentalité, la transformation, la conversion. Alléluia. Et les autres choses que vous voyez, qu'on appelle l'argent, l'or, le diamant, les guérisons, les délivrances, ça, ce sont les conséquences de la transformation de mentalité, de l'acceptation de Jésus, de la nouvelle vision. Donc une personne qui a accepté le Seigneur et ta conversion est vraiment radicale, tu verras que tout va marcher dans ta vie. Tout va évoluer, tout va se manifester, tu te sentiras dans la paix, tu seras dans la joie, tu ne vas pas envier ton prochain, tu n'auras rien à prendre chez l'autre, mais tu vas expérimenter une chose, c'est que tu as tout en Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un perd la paix aujourd'hui, pourquoi? Parce que le Seigneur n'a pas encore pris la première place dans ton cœur. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Le besoin de la France aujourd'hui, c'est de savoir qu'il y a un Dieu qui stabilise, il y a un Dieu qui positionne, il y a un Dieu qui oriente, et son orientation est la meilleure orientation. Parce que lui, il ne se trompe jamais. Donc quand lui, il te conduit, tu avances certainement. C'est pourquoi il a dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis un parmi les chemins. Mais il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. En moi, il y a ce que le monde désire. Il y a ce que le président désire. Il y a ce que les rois désirent. Tout le monde a besoin de moi. Personne ne peut vivre sans moi sur cette terre et être heureux dans sa situation. Ça n'existe jamais. Celui qui dit qu'il vit, qu'il n'a pas
est son Seigneur personnel et qu'il vit bien, il a menti. Est-ce que vous comprenez? Où il se trouve dans le camp du diable. Amen. Oh, je veux que Dieu fasse quelque chose pour toi aujourd'hui. Je veux que Dieu entre en toi. Je veux que tu expérimentes l'amour du Seigneur. Je veux que ta vie change en ce jour. Toi au moins tu écoutes cette parole. Toi au moins tu entends cette parole. Cet homme riche qui était couché, qui gémissait, peut-être s'il entendait le prophète parler, il pouvait accepter. Peut-être, peut-être, vous comprenez? S'il pouvait me voir, s'il avait encore ses facultés-là, il allait l'accepter. Amen. Mais malheureusement, il était trop tard. Dis avec moi, trop tard. Trop tard. Trop tard. N'attends pas qu'il soit trop tard pour prendre ta décision. Alléluia. N'attends pas que tout t'écroule pour prendre ta décision. Maintenant où tu m'entends, maintenant où tu me vois, maintenant où tu entends la parole de Dieu, tu comprends, tu réalises, prends ta décision maintenant. Parce que cette décision va te sauver. Cette décision va sauver tes enfants. Cette décision va sauver ta famille. Cette décision va sauver ta nation. Cette décision va sauver ton peuple. Cette décision te fera du bien. Cette décision va te libérer. Cette décision va te restaurer. Cette décision va te guérir. Cette décision va faire que ta vie va prendre de l'ampleur. Jésus de Nazareth fera de sorte que l'approbation, la grâce, la faveur de Dieu soit sur toi. Et si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? On lève la main droite et dit, je choisis Jésus. Je choisis Jésus. Je choisis Jésus. Jésus. Je ne serai pas long. Je vous l'ai dit, je ne serai pas long. Amen. Mais je veux que tu comprennes une parole. Alléluia. Je veux que tu entends une parole. Vie. Dis, je veux la vie. Je veux la vie. Je veux la vie. Je veux la vie. Pourquoi? Parce qu'il est possible pour moi de te communiquer un miracle tout de suite. Ah, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Amen. Amen. Mais il est impossible pour moi de te donner Jésus. Je peux te dire tout de suite, lève-toi, marche. Il y a un paralytique dans la salle? Il y en a? Il y en a pas. D'accord. Mes enfants, ils me connaissent, hein. Il allait marcher tout de suite, là. Vous comprenez? Ça, c'est pas un problème. Ça, c'est mon quotidien. Mais ce que je peux pas faire, c'est de te donner Jésus comme ça. Je peux pas. C'est toi qui prends la décision. Vous comprenez? Donc, si tu cours après le miracle, tu vas rater le but. Vous comprenez? Parce que le miracle vient pour te conduire vers le but. Amen. C'est pourquoi les gens se perdent dans le monde. Il ne sait pas que Dieu lui donne une belle voiture pour qu'il fasse son œuvre. Amen. Quand il a sa voiture là, c'est pour garer, puis appeler une fille pour dire j'ai une voiture. Tu me plais. Il ne sait pas que son argent, ce que Dieu lui a donné, c'est pour sa gloire. Amen. Vous comprenez? Dieu te bénit. Amen. Pour que tu persévères ta confiance en lui. Continue jusqu'au salut. Le but, c'est le salut. C'est pourquoi Dieu te bénit. Donc, le miracle, la délivrance, la guérison, la restauration, ce que tu veux présentement, physiquement, Dieu va le faire, il peut le faire. Mais cela arrive pour te dire qu'il y a un Dieu qui est là, qui est mort à la croix, qui est ressuscité le troisième jour pour ton
âme, pour le salut de ton âme. Donc tout ce qui va se passer ici, c'est pour le salut de ton âme. C'est ça le but. J'entends des gens dire, je veux ma délivrance. Tu veux ta délivrance, pourquoi? Je te pose la question. Tu veux ta délivrance pour aller danser dans les bois de nuit? Tu veux ta délivrance pour te faire voir dans le monde? Ou tu veux ta délivrance pour suivre Jésus jusqu'à ta mort pour le salut de ton âme? Parce que tous ceux qui ont reçu leur délivrance dans la Bible dit, ils se sont levés, ils ont suivi le Seigneur. Donc suivre c'est quoi? Suivre c'est marcher comme Jésus, selon sa parole. Donc tu veux quoi? Tu veux ta guérison et puis après tu disparais. Je n'ai pas besoin que tu viennes dans mon église, c'est pas ça qui m'intéresse, parce que l'église ne sauve pas, mais c'est Jésus-Christ qui sauve. Amen. Que tu sois avec moi ou pas, c'est pas ce qui m'intéresse. Tu peux même être avec moi et puis aller en enfer, si tu comprends pas le but même de ta conversion sur cette terre-là. Tu es converti pour Jésus. Alléluia. Seigneur, ouvre la porte. Manifeste-toi, j'ai besoin d'argent. L'argent arrive, tu disparais. Ce n'est pas ta disparition là qui est une inquiétude pour moi. Mais c'est l'endroit où tu es, où tu te trouves, l'environnement où tu es. C'est ce qui m'inquiète. Parce que si tu reçois la grâce de Dieu, si tu reçois la bénédiction de Dieu, et tu demeures dans la parole de Dieu, et tu as un but, Matthieu 6, 33, rechercher premièrement le royaume et sa justice. Après, le reste des versets, c'est pour ce but-là, mais gloire à Dieu. Alléluia. Mais si c'est pour satisfaire ta chair, pour dire maintenant je suis dans le confort, maintenant je suis dans l'argent, je suis dans la richesse, alors, Seigneur, je vis bien, débrouille-toi. Et après, quand ça va chauffer, je viendrai voir encore le prophète des planètes. Tu es en train de te tromper. Parce que moi-même qui vous parle, jour et nuit, je prie n'importe où. Où je me trouve, j'intercède pour le salut de mon âme. Parce que après vous avoir prêché, moi aussi je vais aller au ciel. Comprenez? Donc chacun ici est en train de se battre. Pourquoi? Le but c'est quoi? Le salut de ton âme. Tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur. C'est pourquoi Jésus-Christ d'abord enseignait. Comprenez? Il enseignait. La Bible dit, il alla sur la montagne avec une foule. Il les faisait asseoir. Il priait le temps qu'il fallait pour enseigner. Les gens étaient fatigués. D'autres disaient on avait faim. D'autres disaient on veut de l'eau. On veut manger. On veut ceci, on veut cela. Mais ce n'était pas ce qui l'intéressait. C'était d'abord l'objectif, le salut de ton âme. Il prenait le temps, il enseignait. Il prenait le temps, il enseignait. Il prenait le temps de donner les révélations de la parole au peuple. Vous comprenez? Quel que soit le temps que ça pouvait prendre, il prenait ce temps-là. Et après, quand il voyait spirituellement dans l'atmosphère que les gens avaient compris le but de son message, il se levait et l'esprit se répandait. Amen. Les malades étaient guéris. Les paralytiques se levaient. Les femmes stériles enfantaient. Et tout ce que le peuple désirait se manifestait. Parce qu'ils ont compris. Est-ce que vous comprenez? Ils ont compris. Je veux te dire ce soir que Jésus soit le centre de ta vie. Que Jésus soit le premier dans tout ce que tu feras.
vie à Jésus. C'est vrai, tu diras, j'ai accepté le Seigneur. Progresse dans la foi. Cherche à grandir. C'est vrai, tu diras, j'ai accepté le Seigneur. Mais il y a une faiblesse, il y a un péché, il y a un problème qui est là. Qui te bloque et qui fait de sorte que toi et plus Dieu, vous êtes, vous n'êtes pas proche. Parce que cette chose-là se présente devant toi. Et c'est une barrière pour ton évolution. Laisse tomber cette barrière et tu avances. Alléluia. Et tu avances. Tu verras. Tu verras. Ton entreprise va se redresser. Ton foyer va se stabiliser. Tu auras la guérison. La restauration. Cet après-midi, qui veut accepter le Seigneur Jésus pour entrer dans une nouvelle dimension avec lui? Lève la main, je vais te voir. Alléluia. 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 Amen. D'accord. Donc j'ai posé deux questions. Qui veut accepter le Seigneur Jésus et qui veut entrer dans une nouvelle dimension avec lui? C'est ça? Je vais prier d'abord pour ces personnes-là, la première catégorie qui veut accepter le Seigneur aujourd'hui même, qui veut donner sa vie à Jésus aujourd'hui même. Lève la main. N'aie pas honte de celui qui est à côté de toi, mais c'est une décision qui te concerne. C'est une décision pour le salut de ton âme. C'est une décision qui fera de toi enfant de Dieu. C'est une décision qui fera que Dieu aura les regards sur toi. Lève la main simplement. Approche-toi de moi. Viens. Jésus, pas un péché, pas une situation quelconque, et tu trouves que Dieu est loin de toi, approche-toi de moi. Le Saint-Esprit est descendu parce qu'ils ont accepté Jésus. Mais le Seigneur lui-même, à partir du moment où ils l'ont accepté, commence à faire son travail. Sa promesse s'accomplit parce que les symptômes, les délivrances s'opèrent. Parce que quand tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, ta puissance te libère de toute action démoniaque. Et Satan ne peut plus résister au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que le nom qui est au-dessus de tous les noms est dans ton cœur, est dans ta vie, est en toi. Le nom qui guérit, le nom qui restaure, le nom qui a point des prophètes comme Moïse, comme Samuel, ce nom qui a ouvert la mer, ce nom qui a frappé Ramsès II de 10 plaies. Ce nom qui a fait descendre le feu, ce nom qui a guéri les aveux, qui a ressuscité les morts est en toi. Alors, la mort s'éloigne de toi, parce que tu as la vie. Le problème s'éloigne de toi. Pourquoi? Parce que tu as maintenant la solution. Est-ce que vous comprenez? Je suis en train de dire à quelqu'un qui est mort dans cette salle, tu as fini de mourir parce que le Seigneur est ressuscité. Amen. Cet esprit veut faire du bien à ses enfants. Je vois une onction. Je reçois une vision. Je reçois une vision dans cette salle-là. Je vois un ange avec une épée. Il est en train de marcher dans cette salle. Le Saint-Esprit me dit que cet ange-là, il le fait venir lui-même pour apporter la délivrance dans la vie de ses enfants. Pour libérer ses enfants. Pour restaurer ses enfants. Est-ce que vous comprenez? Je peux même, dans le discernement, voir ce qui se passe dans la vie de chacun ici. Vous comprenez?
Je peux vous dire, je peux vous rassurer que le Seigneur vous aime. Et si Dieu est en train de libérer ce mouvement, cette atmosphère, c'est parce que Dieu veut apporter la vie à quelqu'un. Vous n'avez pas envoyé des paralytiques, parce que moi j'aime les paralytiques. C'est mes amis ça. Je vous dis ça toujours, vous n'avez pas envoyé, il n'y a pas de problème. Il me reste quelques minutes. Mais c'est quelques minutes qui me restent là. Hein? Vous voulez que je vous fasse du bien? Amen. Donc, si je te dis bien, n'aie pas peur. Comprenez? Moi, je ne comprends pas les gens. Ils n'ont pas peur d'aller chez les marabouts. Mais ils ont peur d'aller chez l'image de Jésus. Alléluia. Je ne comprends pas. Malgré les choses bizarres des féticheurs, là, les têtes de poulet qu'ils vont ramasser pour distraire, là. Quand il rentre, il voit les choses bizarres, il n'a pas peur. Maintenant, Dieu où tout est, homme de Dieu, bien beau là, il est arrêté là. Mais vrai ou faux, est-ce que je ressemble à quelqu'un qui fait peur? Si, je ne parle pas de beauté physique, hein, spirituelle. D'abord, je ne fais pas peur, vrai ou faux. Voilà pourquoi quand tu veux venir là, tu as peur. Non, il faut dire à Dieu, quand tu vois Dieu est en train d'agir dans la vie d'un homme, dis Seigneur, utilise-le pour changer ma vie. Amen. Parce que depuis le temps de Moïse jusqu'à maintenant, tu es toujours passé par des hommes pour accomplir ta volonté. Donc que ta volonté soit faite dans ma vie. Tu veux faire partie de ces personnes-là. Le temps est arrivé ici. Dieu dit, même les États-Unis seront étonnés. Quand je dis, seront étonnés de la puissance de Dieu qui va se manifester en vous. Alléluia. Il y aura des grandes femmes d'affaires. Il y aura des grandes femmes d'affaires. Des puissants serviteurs de Dieu. Des puissants servants de Dieu. Dieu répondra de son esprit. Ils diront, on n'a jamais vu ça. Amen. Vous comprenez? Alléluia. Ils ont reçu une onction. Alléluia. On a vu le mouvement. Bora Robert, Kenneth Hagen, on a tout vu. Dis à ton frère, c'est le temps des Français. C'est le temps des Français. C'est le temps de la francophonie. C'est le temps de la francophonie. Et je ne comprends pas. 15 ans en arrière, 20 ans en arrière, 30 ans en arrière, quand tu vois les paralytiques, les mains, tu attends, receive power! Yahzamé reçoit la puissance. On regarde, on dit non, c'est un soubonne. Dis bon, on fait un tour en Afrique. On regarde, Tibi, je suis fait comme ça. Les pieds se redressent. C'est quoi? Fire! Mais dis à ton frère, nous on est où dans ça là? Non, dis-lui, on est où? On est où? Mais ce qui est bon là, pourquoi nous aussi on n'est pas là-bas? Est-ce que c'est les Américains qui connaissent ce qui est bon? Bravo! Mais quand tu vas aux États-Unis, tu vois les limousines, on dirait taxi. Ça se trouve partout. Ici, là, tu vas à l'opéra, tu vois un petit truc blanc qui sort, les gens regardent, il va avoir la limousine. Alléluia, attendez, je vais me défouler là, parce que l'affaire a fait un chou. Attendez. Qu'est-ce qui se passe? Dieu a mis une différence entre les pays ou les nations. C'est une question de mentalité. Amen. Il faut que ça change. Amen. Parce que vous faites, vous n'avez jamais compris que la prophétie se réalise toujours par le contraire, par une épreuve. Les Américains, les anglophones, ils ont compris que c'est quand c'est dur, c'est que Dieu est dedans. Quand c'est pas dur, ça veut dire que ça va tomber. On est pas remarqué. Quand tu es dans le rang, tu regardes, on dit continue. Mais c'est quand c'est bon, tu attends. C'est pas bon, ce que tu fais, c'est pas bon. C'est ça qui est bon. Il n'y a jamais de bénédiction sans épreuve. Amen.
ta bénédiction est glorieuse. Amen. Et l'examen d'épreuve éternelle, cette épreuve est fugace, éphémère. Et la fin de chaque épreuve annonce une bénédiction glorieuse dans ta vie. J'annonce à quelqu'un la bénédiction que tu attends dans ton foyer. J'annonce à quelqu'un la prospérité dans ton entreprise. J'annonce à quelqu'un la vie dans ton corps. J'annonce à quelqu'un la prospérité dans tout ce que tu fais. J'annonce à quelqu'un le réveil spirituel dans mon église. J'annonce à une femme ici la gloire. Alléluia. Alléluia. Il vient donc chercher l'esprit aussi en Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est nous maintenant, on va leur dire, reçois la puissance. Amen. On dit ça, c'est France. Feu du Saint-Esprit. On dit ça, c'est France. On est fatigué de power, power. Nous aussi, on veut. Reçois la puissance.